Comment gagner 100 euros par jour en vendant des t-shirts sans être un graphiste? Hello, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Oseille Club, sur laquelle je te partage 2 vidéos par jour pour t'apprendre à générer de l'argent à côté de ton job ou de tes études. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie exacte pour générer 100 euros par jour en vendant des t-shirts sans être un graphiste. Cette stratégie, elle est 100% gratuite. Elle fonctionne partout dans le monde puisque tu es payé via PayPal et elle est ultra simple. Franchement, ma grand-mère pourrait le faire. Juste avant que je te dévoile les différentes étapes de cette stratégie, tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tout, je te partage mes revenus, mes commissions, les différents sites internet avec lesquels je génère de l'argent. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description de cette vidéo. En quoi consiste cette stratégie? Comment on va gagner 100 euros par jour? Tout simplement en vendant des t-shirts sans même être un graphiste. La première étape, ça va être de créer un design simple sur Canva.com qui est un site 100% gratuit qui permet à n'importe qui de créer des designs de t-shirts. Par design, je n'entends pas créer des jolis dessins, des jolis personnages. On va simplement trouver des belles écritures comme ceci et tu vas voir qu'on va pouvoir générer de l'argent simplement avec des t-shirts qui ont des écritures. La deuxième étape, ça va être de mettre ce graphisme sur un t-shirt, sur des sweatshirts, sur des casquettes et pour cela, on va utiliser le site internet redbubble.com qui est un site 100% gratuit qui te permet de mettre tes designs sur des t-shirts. Enfin, la troisième et dernière étape, ça va être de faire la promotion de notre t-shirt. Et pour cela, on va utiliser un réseau social que tu connais et que tout le monde connaît, à savoir Facebook. La première étape pour générer 100 euros par jour en vendant des t-shirts sans être un graphiste, ça va donc être de créer un design 100% gratuit sur Canva. Pour cela, une fois que tu t'es inscrit gratuitement sur le site, on va cliquer sur le bouton violet « Créer un design » et on va mettre 3000 par 3000 pixels, ce qui est la dimension que je recommande si tu vends des t-shirts sur Redbubble. Une fois que le design a chargé, on va cliquer sur « Texte » et on va tout simplement chercher une police d'écriture. Moi, j'utilise tout le temps cette police-là que je trouve très jolie, assez lisible et qui, en gros, fait le taf. Juste avant que je continue, il faut savoir que quand tu vends des t-shirts, tu dois absolument viser des groupes de personnes qui sont fans de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, essaye de vendre des t-shirts à des fans de Donald Trump ou à des gens qui font partie de la communauté LGBT ou des gens qui sont dans la religion, des chrétiens, des musulmans. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont vraiment fans d'une personne ou d'une thématique et ils sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir des t-shirts et des sweatshirts à l'effigie de cette chose dont ils sont vraiment fans. Ça sert à rien d'essayer de créer le nouveau Zara, le nouveau Nike, le nouveau Adidas. C'est très dur de créer une marque grand public de nos jours. Donc, il faut absolument que tu vises des personnes qui sont vraiment fans de quelque chose. J'ai déjà tourné une vidéo pour les fans de Donald Trump où j'ai créé un design en rapport avec Donald Trump et j'ai essayé de le vendre sur Facebook. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la communauté LGBT, donc lesbienne, gay, bisexuelle, parce que c'est des personnes qui sont vraiment engagées dans leur communauté et qui n'ont pas peur de porter des vêtements à l'effigie de cette fameuse communauté LGBT. Donc, j'ai réfléchi un petit peu avant cette vidéo et j'ai trouvé une phrase sympa qui dit « The future is gay ». Voilà. Le futur est gay et là, par exemple, je mets en rose parce que c'est sympa, ça dépend si on vend à des hommes ou des femmes. Donc, je vais tout simplement agrandir le design. Et voilà, en l'espace de quelques secondes, j'ai mon design qui est prêt à être vendu tout simplement. Donc, je vais cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite et on va tout simplement mettre ce design sur un t-shirt grâce au site internet 100% gratuit Redbubble.
Une fois que ton design s'est téléchargé sur ton ordinateur, tu vas tout simplement t'inscrire gratuitement sur le site internet Redbubble, qui est le site internet 100% gratuit qu'on va utiliser pour mettre ce fameux design sur des t-shirts. Donc une fois que tu t'es inscrit, tu vas cliquer juste ici sur ton compte et tu vas cliquer sur le bouton rose « Vendez vos œuvres ». Une fois que c'est fait, tu vas cliquer juste ici sur « Créer vos produits ». Puis tu vas cliquer sur « Charger une nouvelle œuvre » et là on va chercher sur l'ordinateur le dernier design qu'on vient de faire qui est juste ici « The future is gay » qui veut dire, je ne l'ai pas précisé, mais le futur est gay tout simplement. Une fois que le design a été chargé sur Redbubble, il y a deux étapes à respecter. La première, c'est de remplir titre, tag et description et la seconde, c'est d'ajuster le design sur les différents produits de la plateforme. On va tout de suite remplir le titre, les tags et la description de notre produit. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement lorsqu'une personne traîne sur Redbubble, si elle aime la communauté LGBT et si elle cherche sur Redbubble LGBT, il faut qu'elle tombe sur notre design. Bien entendu, nous, on n'attend pas qu'une personne tombe sur notre t-shirt et l'achète, puisque juste après, je vais te montrer comment faire la promotion de notre t-shirt, mais on va quand même pas négliger cette étape, on va faire en sorte que une personne qui est dans cette communauté tombe sur notre design, comme ça, si le design lui plaît, elle va tout simplement l'acheter. Donc, dans le titre, le but, c'est de mettre un maximum de mots-clés. Donc là, je mettrai LGBT T-shirt. Dans les tags, je mettrai LGBT, LGBT T-shirt. Donc, vous avez compris, mettre un maximum de mots en rapport avec les personnes que vous visez et votre design. Et dans la description, je vais mettre « Here is a LGBT t-shirt ». Ok ? Ça veut tout simplement dire « Voici un t-shirt LGBT ». J'ai marqué la description en anglais parce que « The future is gay », c'est en anglais. Donc, je pense qu'on est plus sur une communauté anglophone, tout simplement. Une fois qu'on a rempli titre, tag et description, on va tout simplement avoir un aperçu des différents produits qu'on va pouvoir vendre sur la plateforme, tout simplement. Donc moi, je vais tout désactiver puisqu'on va simplement vendre des t-shirts. Mais tu vois, on pourrait vendre des mugs, on pourrait vendre des isothermes, on peut vendre des sacs, des coques, des foulards, on peut même vendre des carnets, des horloges. Hop, je désactive tout ça, une gourde, je désactive le badge, l'étui portefeuille, je désactive. Et là, les produits complexes, je désactive le masque. Donc, moi, je vais tout simplement garder, en général, ce que je fais, c'est que je garde le t-shirt classique, celui-là, je le désactive, et je garde la casquette parce que les casquettes, ça se vend plutôt bien. Donc, concernant le t-shirt, je vais tout simplement cliquer sur « Modifier » et je vais pouvoir modifier la taille de mon écriture, mais aussi et surtout son emplacement. Moi, j'aime bien mettre l'écriture dans le dos, parce qu'en général, les jeunes adorent les t-shirts avec des marques dans le dos. Donc moi, je vais laisser « The future is gay » en grand. Je vais le monter juste en haut. Et on voit que voilà, l'écriture est dans le dos. J'ai cliqué sur « Dos » juste ici. Et je vais cliquer sur « Appliquer les modifications ». Une fois que j'ai mon t-shirt, je vais modifier la casquette. Même si je pense que l'écriture est parfaite comme ça, je vais ni la réduire, ni l'augmenter. Donc en fait, je vais tout simplement enlever ce bouton modifier. Et j'ai donc mes deux produits qui sont prêts à la vente. Maintenant que j'ai mon t-shirt et ma casquette, la troisième et dernière étape qui est fondamentale, encore une fois, pour gagner des centaines d'euros par jour en vendant des t-shirts, c'est de faire la promotion de ce fameux t-shirt. Tu peux avoir le meilleur design du monde si derrière tu ne fais pas la promotion de ton t-shirt, si personne ne connaît ta marque, eh bien tu n'auras pas de vente. Pour la promotion de notre t-shirt, on va utiliser le réseau social Facebook. Pour cela, je vais aller dans Rechercher et je vais tout simplement rechercher LGBT. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer sur Groupe juste ici et là, je vais avoir accès à un nombre incalculable de groupes qui regroupent des personnes de la communauté LGBT. Donc là, on voit qu'il y a 4100 membres, là il y a 800 membres, là il y en a 1500, 336, 2800, 1400,
1000, 9200, etc., etc. Donc là, il y a plein de groupes Facebook qui regroupent potentiellement plein d'acheteurs intéressés par mon design. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur les boutons juste ici, tac, pour demander à intégrer les différents groupes. Et une fois que ces groupes vont m'accepter, je vais tout simplement envoyer un message dans le groupe. Concernant le message, ne te casse pas la tête, envoie un message tout simple en disant « Hello, je me suis lancé très récemment dans la création de t-shirts. Voici mon nouveau projet The Future is Gay. Les t-shirts sont à 9,99€ pendant les 4 premiers jours puisque c'est le lancement de ma boutique. Profitez-en, voici le lien de mon t-shirt tout simplement. » Donc voilà, tu as juste à rejoindre les groupes Facebook qui regroupent tes potentiels acheteurs et à écrire un petit message pour faire la promotion de ton t-shirt. Et une fois que tu as publié différents messages sur différents groupes Facebook, tu verras que tu vas générer des ventes sans même t'en rendre compte. Voilà pour ce qui est de cette superbe stratégie pour générer plusieurs centaines d'euros simplement en vendant des t-shirt. Juste avant que tu te sauves, tu peux cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Encore une fois, dans ce groupe, je te partage tout. Je te partage mes revenus, mes commissions, les différents sites internet avec lesquels je génère de l'argent à côté de mes études. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Je te remercie pour ton écoute et puis moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.